Montbéliard. Ça fait un an, avec toutes les difficultés qu'on a eues, but we are here in Saint-Vallier for the final four. It's for us, only for us. Hey, compliquée, je pense à notre coach, à François Sens, qui s'est fait démir de ses fonctions avant les playoffs. Donc c'est compliqué, elle est un peu à lui aussi cette victoire, c'est lui qui a fait l'équipe. Et les supporters qui sont venus en nombre. Et voilà quoi, honneur de monter de suite avec Antibes. Je suis revenu dans mon club formateur, tout le monde se disait pourquoi après une Pro B redescendre en N1. Voilà, mission objectif atteint, l'année prochaine je reviens en Pro B. On savait, c'est ce que le coach nous avait dit avant le match, qu'il fallait qu'on reste proche de Saint-Vallier quoi qu'il arrive. On savait qu'ils allaient prendre feu, il fallait qu'on fasse le dos rond.
Et on savait aussi que dans le dernier quart-temps, ils allaient un peu craquer physiquement. Et je pense qu'on l'a prouvé ce soir, on a mis des très très gros shoots. Et on a une équipe qui a du cœur, et ça c'est très important. C'est dur d'être à domicile et de perdre ce soir. Quand on voit cette salle, cette ambiance, on a tout donné. C'est dommage, vraiment dommage. Dur, mais c'est vrai que le basket à Saint-Veillet existe et existera toujours. Et c'est ça le plus important. On a attaqué les playoffs comme des guerriers. On est 10 joueurs, voire 11. On est des gros guerriers avec un coach qui nous a vraiment emmenés jusque-là. Et voilà, on a le résultat ce soir, c'est ce qu'on voulait. La mèche! Eh ouais, la mèche! La mèche! Eh ouais, la mèche!